Cette fois-ci, une employée a fait une crise de panique et s'est évanouie. Elle a été emmenée à l'hôpital. Vraiment, Carla, je commence à croire que c'est vrai ce que les employés racontent. Et qu'est-ce que tu veux dire Que l'immeuble est hanté, tu sais, à cause des cimetières souterrains. Jade Voyons Tu crois à ça Sinon, qu'est-ce qui pourrait être la cause de tout ce qui se passe Depuis qu'on a aménagé ici, beaucoup ont commencé à changer de comportement et montrer des signes de troubles mentaux. Hmm, je ne sais pas. Il y a sûrement une autre explication. Et puis, pourquoi les autres employés sont atteints et pas nous Inspecteur, il faut vite trouver ce qui se passe dans ces locaux avant que les médias s'emparent de l'affaire. Nous n'avons pas besoin de mauvaise publicité en ce moment. Nous allons faire de notre mieux, Monsieur Terrar. Nous avons déjà fait des prélèvements sanguins sur les employés qui ont été touchés par ce phénomène, et nous aurons les résultats sous peu. J'aurai aussi besoin de faire d'autres prélèvements dans les lieux et d'interroger les autres employés. Vous devriez interroger un de nos anciens programmateurs, Tim Byrne. Je suis sûre que c'est un acte de sabotage. Il a été renvoyé et est parti vraiment en colère contre la direction. Je pense qu'il veut se venger de la compagnie, voire même de moi. Savez-vous quelque chose qui pourrait prouver cette hypothèse Il n'avait pas désactivé sa carte et il est entré dans les locaux après sa mise à pied il y a quelques jours. Il a peut-être empoisonné le distributeur d'eau ou le café. Nous les avons mis de côté pour que vous les fassiez analyser. Et pourquoi l'avez-vous renvoyé Il a été accusé d'avoir volé des données informatiques et de les avoir vendues à la concurrence. Alors, les analyses ont déjà montré qu'il n'y a rien dans l'eau, ni dans le café, même dans les conduits d'aération. Hum. Qu'est-ce que ça peut bien être Et pourquoi les autres employés ne sont pas atteints Il faut que je trouve ce qu'ils ont en commun. Par contre, ils ont tous un taux de nicotine plus ou moins élevé dans le sang. Les cigarettes. Se pourrait-il que leurs cigarettes aient été empoisonnées? Je vais vérifier cette piste. C'est plausible. Essayez de retrouver leurs paquets de cigarettes, peut-être au travail ou à la maison, ou même l'endroit où ils avaient l'habitude de fumer. Ramène-moi des mégots aussi. J'ai entendu dire qu'une inspectrice est venue dans les locaux et qu'elle est en train de mener une enquête. Bonjour, je suis l'inspectrice Suzanne Justin. J'enquête sur les malaises de vos collègues. C'est bien le bureau de Martin Delarive C'est bien celui-ci, à côté de vous. Le connaissiez-vous bien euh, Avec ses habitudes, par exemple, où est-ce qu'il fumait On le connaissait un peu. Je sais qu'il essayait d'arrêter de fumer. Il utilisait différentes alternatives comme le patch, les gommes, la cigarette électronique. Mais lorsqu'il fumait, il allait sur le toit. Cherchons des preuves. Je sens que je suis proche d'élucider cette affaire. Oui, je me sens très proche. Hum, voilà des cigarettes. Je ne suis pas loin. De la résolution, j'en suis sûre, je le sens. Désolée, ma belle, mais il n'y a aucune trace ni de toxines ni de drogue dans aucun mégot ni paquet de cigarettes que tu m'as ramené. Il faudra trouver une autre piste. Désolée, oh non, moi qui croyais que j'étais proche, mais alors quelle piste encore je dois suivre, mademoiselle Justin, inspectrice, s'il vous plaît. Oui, comme vous voudrez. Nous avons eu un nouveau cas de crise de paranoïa ce matin même. Dites-moi que vous avez une réponse pour moi. Les pistes que nous avons suivies, dont celle de M. Byrne, étaient fausses. Je dois continuer à investiguer. La direction menace de faire fermer le bureau si nous n'avons pas de solution d'ici la semaine prochaine. Serez-vous capable de me donner une réponse pour ce délai? Ou bien je dois contacter votre supérieur? Pour qu'il vous remplace. Monsieur Terrard, pas besoin d'essayer de m'intimider. Je vais faire mon travail. Très bien. J'espère que je peux compter sur vous. Les filles, j'ai surpris une conversation et je vous conseille de chercher déjà un autre emploi parce que d'ici la semaine prochaine, s'il ne trouve pas la raison de ces attaques, la direction va fermer le bureau. Oh non! Franchement, je m'en doutais un peu. Cette histoire est fatigante. Mais qu'est ce qu'on va faire? Je ne veux pas perdre mon boulot, moi. Allez, calmez-vous. Moi je vais prier pour que l'enquêtrice résolve l'affaire. Vous allez voir. <laughs> je crois plutôt qu'ils vont la remplacer. Elle me semblait bien jeune et inexpérimentée pour une telle enquête, surtout toute seule. Dans tous les cas, il faut que cette affaire soit résolue. Je ne veux pas perdre mon boulot. Oh mon Dieu. Aide-nous. Aide-nous à garder notre emploi. Aide-nous à résoudre cette situation dans l'entreprise qui n'est plus d'attaque et que l'enquêtrice voit ce qu'elle n'a pas encore vu et qu'elle résolve l'affaire vite, que nous puissions garder notre emploi et que l'entreprise reste ouverte. Dirige-la, guide-la. Fallait-il vraiment que je prenne cette affaire Qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce qui m'est passé sous les yeux, sous le nez Aide-moi à voir. Aide-moi alors à leur prouver que je suis capable de résoudre cette affaire. Je suis capable. Avec ton aide, je suis capable. Mais qu'est-ce que je vois mais oui, comment j'ai fait pour passer sur ça C'est peut-être la clé. Tu as eu du flair. Ce sont les mêmes toxines retrouvées dans le sang des employés. La terre aussi est contaminée. La voilà. Fleur très rare et toxique qui pousse en Amérique du Sud. Propriété hallucinogène. Provoque des crises de paranoïa. Et des troubles mentaux et cognitifs. Oh, je l'ai eu sous les yeux plusieurs fois et je n'ai pas tilté. Mais comment a-t-elle pu arriver là? C'est exactement ce que je vais découvrir bientôt. Nous avons trouvé ce qui a intoxiqué les employés. Super. Qu'est-ce donc C'est une plante tropicale toxique. Elle a été plantée dans le parterre de fleurs sur le toit. Mais comment cette fleur a-t-elle pu contaminer mes employés C'est ce qui me reste encore à déterminer. En attendant, s'il vous plaît, interdisez l'accès au toit. Et donnez-moi aussi le contact du paysagiste. Ce n'est pas moi qui ai planté cette fleur. Elle est d'ailleurs interdite de quitter sa région et d'être introduite ici. Je n'aurais jamais fait cela. Il y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille pour la compagnie? Peut-être. J'ai été absent quelques jours à l'inauguration de l'immeuble. Le directeur a dû faire venir un autre paysagiste. Parfois, il paraît plus passionné par ses plantes que par la compagnie. je pense que c'est vous qui avez planté cette fleur toxique monsieur terrard voyons donc et pourquoi j'aurais voulu empoisonner mes employés lorsque je suis venue dans votre bureau la première fois j'ai à peine porté attention à vos quatre photos monsieur terrard vous aimez voyager n'est-ce pas oui et alors vous aimez surtout les lieux tropicaux et vous aimez par-dessus tout la faune tropicale vous ne pouvez pas résister à ramener des souvenirs chez vous même lorsque c'est interdit. Voyons, mademoiselle, je suis un homme honnête. L'autre jour, je vous ai parlé de plantes et vous avez parlé de fleurs. Je n'ai jamais prononcé fleurs. Ma théorie, c'est que vous avez ramené cette fleur ici lors d'un voyage sans prévoir qu'elle allait contaminer le sol. Et lorsque vos employés s'asseyaient à côté d'elle pour fumer lors de leur pause, ils étaient intoxiqués par elle ne serait-ce qu'en effleurant. Je ne pensais pas que j'allais leur faire du mal. Je vous jure, je ne savais pas qu'elle était toxique. Je la trouvais si jolie et j'ai entendu dire le guide qu'elle portait chance. Est-ce que je serais arrêtée? Ce n'est pas de mon ressort. Vous aurez sûrement des indemnités à payer aux employés. Et peut-être une amende pour avoir amené cette fleur au Canada. Ah! Je suis bien contente que cette histoire soit résolue. Je vous avais dit qu'il fallait avoir confiance. Oui, moi aussi. Je suis soulagée. Je suis soulagée aussi. Surtout qu'il n'y avait pas de fantôme. Pas vrai, Jade? Bien joué Suzanne. Je suis finalement contente de t'avoir mis sur l'affaire. J'avoue que j'étais à deux doigts de t'envoyer un autre inspecteur. Merci boss. J'espère que tu me feras plus confiance la prochaine fois. <laughs> On verra bien. On verra. Merci Seigneur. Si vous avez aimé cette animation, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour de nouveaux épisodes. À bientôt avec Lilo Récit!